Bon allez, Nul, c'est pas possible. Putain, mais on... Attends, bouge pas de là. Voilà. Non. Attends, je vais... Voilà, comme ça je me rappellerai de... Qui tu es. Super. Un plaisir. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que... On va peut-être songer à appeler une... À acheter une voiture, non? Ouais. Après, tu sais, il y a la moto, hein. Elle est derrière, la moto. Bon, ouais, je t'attends au bout de la rue, va aller chercher. C'est plus proche pour moi! Puis de toute manière, il l'a volé sa moto de con donc. Enfin, il l'a volé à un voleur. Donc bon. Tu peux conduire un peu plus près encore de moi la prochaine fois. Hein. Roule-moi sur la gueule même la prochaine fois. Hein. C'était à droite. Ok. L'approche, pas celle-là, la prochaine à droite. J'ai eu mon permis, hein, je te jure. À droite. J'ai même pas regardé s'il fallait qu'on le passe dans ce pays, notre permis. Je pense pas, je pense pas. Il y avait un feu rouge, mais c'est pas grave. Il y avait encore un feu rouge, mais c'est pas grave. Oui, mais je te dis, c'est un pays libre, tu veux pas me croire. Il y avait encore un feu rouge, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas ma moto. Enfin, si, c'est ma moto. Il y avait encore un feu rouge, mais bon, allez, c'est pas grave. Tu sais, à partir du moment où on a loué cette moto, c'est la propriété de l'État. Hein. Il y avait un feu rouge, mais bon, après, c'est pas grave. On devient fonctionnaire un petit peu à ce moment-là. Ouais, il y avait un Starbucks, tiens. Hein. Ouais, tiens. Je pourrais travailler au Starbucks. Ouais, alors, j'ai une gueule, à bosser au Starbucks. Ouais. Ouais, j'ai une gueule d'étudiant. J'ai pas que des étudiants, t'inquiète. Attends, mais. C'est ça leur pôle emploi? Apparemment. Les mecs, ils ont des vasming et des murs en marbre. Ah. Oui. Alors, apparemment, dans mon oreillette, on me dit qu'il faut passer le permis. Oui. Non. Et t'as qui à l'oreillette? Bernadette, c'est ça? C'est mon contact LinkedIn. Mais moi, j'ai jamais fait que le golf, hein. Quoi? Bah, il me propose des trucs. Travailler de au chantier, mais... nettoyer le golf, travailler à la mine, travailler en tant que bûcheron. Avec bûcheron. Mais j'ai. On a pas une gueule, à faire ça. Bah ouais, vous nous prenez pour qui, madame, là? Ah, désolé, je vais plus m'en empêcher, je suis pas contre vous, madame. Est-ce qu'on n'irait pas commencer par passer notre permis? Je crois que c'est cher. J'en sais rien. Je peux te dire... Enfin non, je peux pas te dire, je sais pas combien d'argent j'ai payé pour ce le serait permis. Ce serait pas ça, là? C'est moi qui l'ai payé. Ah. Ah, c'est un concessionnaire auto, ça. Donc ça se fait que c'est moi qui ai mis une patate et c'est moi qui suis en sang. Les flics, attends. Ah, je te laisse dans ta merde. Hein. Ah, auto-école, c'est là, j'ai trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Allez, direction auto-école. Et on ira s'acheter une voiture après. On va vraiment faire ça, là. Ah, moi, je veux faire les choses dans les lois. Hein. Ouais. Ouais, moi aussi. Hein. Parce que j'aimerais bien passer au commissariat pour demander un petit peu aux gens comment ça se passe dans cette ville. Je t'assure que les lois, elles sont très ouvertes alors, ici. Alors, fais gaffe, parce que... C'est pas comme la France, hein. Ok, c'est bon. Non, mais regarde, la police, en fait, ils font vraiment leur travail ici. Hein. Moi, je te le dis. Oui, je vois ça. Ouais, bah oui, écoute. C'est bien ce qui me semblait. Attention, parce qu'apparemment, c'est la merde en ville. J'ai l'impression que tu me fais pas trop confiance. Ah bah, quand tu roules à contresens, je t'avoue que j'ai du mal. Je vois pas pourquoi. Ah, ça coûte cher. Ah, il faut répondre. Quoi? Vous êtes dépassé par un autre véhicule. Il est important lui rentrer... l'empêcher faut passer le code avant la conduite, c'est une blague. Je crois, hein. Putain. Aux États-Unis, hein. Enfin, les années 80, la moitié... Ralentir. Regardez. Il est dépassé par un autre véhicule, il est important de ne pas... Voilà, ralentir, je crois. Vitesse. À chaque changement de fil que vous devez... Hein. Tu t'y connais, papy? J'ai déjà passé 6 fois, moi, putain. Ouais, moi, je l'ai passé qu'une fois, mais bon. J'ai eu un excès, quoi. Il y a plusieurs réponses ou pas? Non. Les zones rocades, il y a une... C'est drôlement satisfaisant de changer de vie, quand même. Alors, on n'aurait pas conduire plus...
Bah, Zordis. C'est quoi ces questions de con? Bien, attends, ok. Vous observez avant de rouler. Ouais, non. Non. Bah, oui. Ah bah non, oui. Ok, 50. Hein. 50. Niveau d'alcoolémie, oh putain. 80 pour toi, papy. Ah, moi je le sais parce qu'il y a un flic qui me l'a dit, mais... Vous apprêtez à tourner à droite au feu vert, mais vous voyez un connard qui traverse. Bah, technique. Bah, ouais. Vous shootez le piéton, mais évidemment. Qu'est-ce qui est permis quand vous dépassez un autre véhicule de l'enculer, hein, que tout bon, simplement. Quand il est vert. Quoi? Un piéton au feu rouge? Observez avant de continuer, parce que ce connard est capable de... Très dur. Ça fait 500 dollars quand même, hein, faut pas qu'on se gore. Ah, j'ai réussi mon test! Ah bon? Ouais. Je croyais, hein. Non, je récupère ma boisson. Avec l'âge vient la sagesse, hein, comme on dit. Ah putain, je viens de trouver mon estomac. Pourquoi ça fait un bruit de frigo? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pose pas de questions, tu veux pas la réponse. Mais, te barre pas! Il est con. Mais, te barre pas! On a passé le code, faut passer le permis maintenant. C'est vraiment très carré avec toi. Hein. Bah oui. Je vais prendre le moto, tu prends voiture, non? Allez. Waouh! Je pense que si je devais raconter ma vie là comme ça, soudainement, des voix possiblement dans ma tête, et ben je dirais que je suis un honnête boulanger français voulant faire fortune aux États-Unis. Voilà. Je peux pas répondre. Je sais, je peux pas répondre. Je peux pas répondre. Ah, je sais pas comment on répond. Non. Non plus. Peut-être non. Merde. Ah. Ah. Ah putain. Ah, on s'occupe de moi, yes, enfin. Ok. Oui. Là, ça c'est une semaine spéciale. Bonjour monsieur. Excusez-moi. Ça fait combien de temps? Excusez-moi monsieur. 6 mois. Attendez, collègue, il y a besoin de la piqûre d'adrénaline là pour le monsieur, s'il te plaît. Laisse faire les stagiaires. Vas-y, allez-y, prenez la piqûre là et mettez-lui s'il vous plaît. Putain, ah, profond quand même. Ah, oh, merci. Pas de soucis. Merci les stagiaires plutôt, ceux qui ont tout fait. Ah bah merci. On est trop fort. Dites-moi, j'ai pas réussi à trouver comment mettre ma ceinture. C'est X. Merci beaucoup. Je vais tenter d'aller récupérer ma. Ah, c'est vous pour le téléphone. Ouais, c'était moi aussi, oui. Je vais aller récupérer ma voiture de permis qui est là-bas. Ah, ah ouais. Bah bon permis. Ah ouais. Merci. Ça me rappelle un collègue qui l'a raté 5 fois là, qui est à ma gauche. Bonne journée, merci. Alors attends, comment je l'appelle l'autre con là? Attends. Allô papy? Ouais allô, j'ai eu un petit accident, c'est normal. Ouais, j'ai cru comprendre aussi. Hein. Tu appelles l'hôpital? Ah bah vous me l'avez ramené, c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors non, t'inquiète pour l'hôpital, c'est bon, ils sont venus me chercher. Toi aussi t'as eu mal? Ah, ils sont déjà venus te chercher? Ouais, c'est bon, ils sont venus. Okay, je trouve une moto et j'arrive, tu peux m'envoyer ta position? Bah attends, je suis encore en permis là. Ouais. Ouais, j'arrive. Mais je me suis étalé sur l'autoroute, donc ouais. Je crois que j'ai trouvé un street club. Si tu veux, on se retrouve là-bas après. Ouais, tu m'enverras ta position. Marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, attends, comment change le téléphone? Voilà, c'est bon. Ah, mais du coup, tout à l'heure, ça me l'avait mal fait. Ah. Et non, du coup, je peux continuer mon permis. 2500.
Je l'ai payé la facture ou pas? Ouais, vu mon argent, j'ai dû le payer. Je pense qu'on peut trouver... Mais qu'est-ce qu'il me raconte l'autre? Je pense qu'on peut trouver un métier honnête, mais il est con ou... Ouais, allô? Ouais. J'ai trouvé qu'on va mettre ma ceinture cette fois. C'est bien. Voilà. Non. Ah, excusez-moi. Vous savez où on peut acheter une moto ici? Je savais pas si t'étais au courant, donc c'est pour ça que je te le dis. C'est apparemment faut... Ah, excusez-moi. Il y a un X qui est marqué sur le truc. Ok, ça marche. Putain, je suis déjà à 3 erreurs sur le permis. Bon, attends, je raccroche et je me concentre. Ouais, ça marche, à toutes. Putain, j'ai mon permis. Alors, attendez. Alors, attends. Et je pense que je vais arrêter avec cette voix, hein, parce qu'elle me nique, mais une puissance monstrueuse. Ah, c'est ça. Ils sont grave indulgents. Pourquoi? Ah oui, ils sont le permis. Oui, bah, écoute. Ah, attendez. Bougez pas. Moi, je reviens... Je reviens dans 2-3 minutes. J'arrive. Qu'est-ce que... Pourquoi j'ai fait un AVC là pendant quelques secondes là? Bon, j'ai pas compris. Le... Oh, mais... Le unicorn. Qu'est-ce qu'il est allé foutre là-dedans? Bon, bah go, hein. Faut y aller, hein. Look, don't touch. Où est-ce qu'il est? Mais... Et c'est foutu de ma gueule. Je m'y fais pas ce téléphone. Allô? Bah alors t'es où? Bah en fait j'ai été accosté par une personne qui m'a beaucoup aidé là. Vous appelez comment d'ailleurs? Ouais, tu as... je te reprends. Tu as tellement aidé. Mais bah accroché au nez ce con. C'est pas vrai. Allô? Oui, bon, j'ai été accosté par une personne qui m'a dit peut-être elle pouvait me déposer, donc du coup j'ai dit ok. Je lui ai demandé si elle se connaissait en boulangerie et en pain. Elle m'a filé une recette. Envoyée par message. Une recette? Comment ça, une recette? Une recette pour le pain. Mais il s'y connaît en boulangerie, le type? C'est plutôt une. Enfin, je sais pas, je sais pas trop en fait. Ah bon? Peut-être bien de lui demander, non? Alors, vous m'en voudrez pas, hein, mais vous êtes plutôt un garçon ou une madame? Ah ouais, tu sais comment parler aux gens, toi. Comment? Ouais, bon, bah voilà, c'est... Je pense que c'est une femme. C'est... Trans. On ne va pas se permettre de dire c'est un homme ou une femme, de toute façon. Ah d'accord, ok. Oula. Donc, il faudrait de la bonne farine, elle-même. Ouais, il ouais, me dit. Ouais, ouais. J'entends ça. Du coup, avec ça, en gros, il m'a dit que c'était aussi de la weed, qui était super important pour la confection du. La weed, moi, je connais pas trop. Alors, on pourrait peut-être commencer. C'est pas cher. On pourrait peut-être commencer par vendre du vrai pain avant de vendre de la merde. Attends, mais ça m'a l'air d'être un local, hein. Moi, je te dis, je pense que c'est du vrai pain d'ici, là. Ouais, attends, deux secondes. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, vous voulez que je vous dépose quelque part ou pas? Bah écoutez, je cherche mon ami, je sais pas où il est. Donc, je t'avoue que je sais pas trop moi-même en fait. Il sait pas où il est non plus, donc. Oui. Vous pouvez vous arrêter au strip club s'il vous plaît? Ah. Attends, je. C'est juste là en fait. Alors. je crois que j'ai failli me faire enlever. Ah bon? Pourquoi? Bah disons qu'il y a un type qui est venu.
Et puis il m'a dit, est-ce que je peux vous déposer, monte dans le véhicule. Et en fait, il y a une voiture de police qui est arrivée, il s'est enfui. Ok, bah écoute, ça se trouve, il voulait juste te proposer de la bonne. Hein, mais attends, mais je te vois. Putain. Tu me vois? Bon bah, je suis avec mon pote, je sais pas comment tu s'appelles. Pablo. Oula, vous êtes fait mal, monsieur. Bonjour, ah bon non. Bonjour. Il a pas trop l'habitude, hein. Tu sais, c'est un papy, il se cogne souvent. Ah, monsieur, j'ai failli me faire enlever il y a 10 secondes, donc bon. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai. Oh, pardon. Ah, putain. Excuse-moi. Désolé, Fred. Hein, ça fait 3 fois, quand même. Hein. Ouais, non, mais je suis désolé. Comment ça me sourit. Mes condoléances. Hein. Non, mais non, il est pas mort encore. Oui, mais... Moi, non. Il a failli mourir. Lui, ça reste à voir. Oula. Je vais bien. Ouais. Ah oh, mais faut pas l'écouter, c'est un... Bon. Oui, c'est un français, il est pauvre. T'es français aussi, du con. Oui, bah, je dis juste que t'es pauvre, quoi. Bref, bah, enchanté, moi c'est Fred Safran. Enchanté, moi c'est Pablo Escobar. Très bien, enchanté. Pablo, il a l'air de bien s'y connaître pour la ville, pour le pain. Ouais, vous êtes en ville depuis longtemps? Ouais, pas trop. Ouais, bah, à peu près comme nous, on est arrivé tout à l'heure. Une ou deux semaines, ouais. Ça vous dit quelque chose, un mec en moto noire, style punk Ça me dit rien du tout. D'accord. Parce qu'il a failli m'enlever, là. C'était peut-être c'est vous qui voulez faire boulanger ou... C'est ça, ouais. Et du coup, on avait peut-être un plan pour avoir de la weed, mais on n'a pas réussi à le trouver, en fait. C'était derrière l'armurerie, mais on a fait le tour du pâté et... Alors, comme je te disais, peut-être falloir vendre du vrai pain avant de vendre autre chose. Mais... là, on a quelqu'un d'officiel qui vient vraiment d'ici, qui propose une recette. Vraiment. Donc, je pense qu'il faut quand même pas rejeter l'offre comme ça. Ah bah, mais je rejette pas l'offre. Hein. C'est juste creuse, que, bon, il faut peut-être qu'on prenne une couverture avant de se cacher en dessous, quoi. Je vois pas le rapport. Est-ce que tu peux arrêter de me menacer comme ça, s'il te plaît ? Non, je te menace pas. J'ai des spasmes, en fait. Je me suis pété la jambe. Les bonnes recettes, vraiment. Ah, mais ça, j'en doute pas une seule seconde. C'est... Ah, sinon on peut faire les deux, on fait ta recette et sa recette. Vous en pensez quoi? Ah déjà il nous faut un établissement. Ouais. Ça pourrait déjà être un bon... Ou alors au moins un fourgon pour pouvoir vendre en boulangerie ambulante. Ouais, j'ai croisé des bandits, hein. Des bandits de la ville. Parce que bon, ils avaient l'air encore plus pauvres que toi, tu vois. Et peut-être que eux ils s'y connaissent pour les fourgons, mais il faudrait les retrouver, quoi. On peut passer chez le concessionnaire aussi, ça marche. Ça a l'air un peu excité en la ville, là. Je sais pas trop ce qui se passe. Je sais pas non plus. Des fois, j'entends des tirs, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est normal ici, non? Oui, c'est normal. En vrai, tu sais que si j'avais pas été au téléphone avec toi, je pense que je me serais fait embarquer. Ah ouais? Ah bah, j'écoutais pas le gars, en fait, donc... Ah, ça aide, hein. Des fois, il faut... Un petit peu. Tu fais semblant. Bref, mais du coup, c'est quoi un peu cette recette? Parce que j'ai rien compris avec l'autre au téléphone, mais... Je vais vous dire la recette. Il faut... de la farine, de la bonne farine, ouais. Vraiment pas mal, hein. De bonne farine sa mère, tu m'as dit. Ouais, de la bonne farine sa mère. Tu prends des notes? Non, je t'ai envoyé déjà. Ah, je peux. Après, faut prendre de la weed, Du cannabis. Pardon. Ça rien, j'avais très mal au dos. Du cannabis, de la coke. Vous avez dit quoi en dernier? Je vous ai pas entendu. Et un peu de béton et des cannabis. Ok. Des petits cannelés. Ouais, je pense que du pain au cannelé, ça peut être pas mal. Du béton et du cannelé. Ouais. Je note, hein. J'ajouterai un peu de safran, j'aime bien le safran. Ça part en note. Un peu de béton et des canalisations d'eau. Bah, l'eau, on l'a déjà mis. Mais pourquoi des canalisations? Bah, pour mettre l'eau. Oui, pour mettre l'eau. Ça coule mieux dans la gorge aussi. Mais, bon. Et du blanco naturel, si vous avez. Alors moi j'ai du placo naturel, et mes cheveux sont aussi blanco naturel. Du placo, ouais, c'est bien aussi. Mais t'as une oreillette toi? Moi? Y a quelqu'un d'autre qui parle à travers ta voix là? Non. Ouais. J'étais en train de demander si vous avez pas un petit trouble dissociatif de la personnalité, mais. Parce que j'entendais deux voix, c'est pour ça que je me demandais aussi. Ah, mais c'est bizarre. Voilà. Ouais, voilà là. Là, hein, je l'ai vu. Pointe pas ton nez, hein, je te pointe toi. Regarde dans mon oreille, casse-moi l'oreille si tu veux. Je vais vous laisser tout seul. Non mais c'est pas bizarre, attends.
là. Ah. Ah ouais non c'est dégueu. Bon je vais pas tester l'autre oreille, hein, ça va. Putain mais t'essuies pas sur la bagnole. Bah après je peux vous essayer à faire du blanco naturel. Vous m'appelez après. Bah j'ai pas de téléphone mais. Vous avez pas de téléphone. Mais attends sinon non, il y a un endroit où on peut acheter un téléphone. Ah bah vous emmenez. Ah, oui. Bah, je... Après c'est une bagnole de place donc ça veut dire je vais me faire foutre ou. Bah. Non viens là rien. Tu vois le coffre? Moi? Ouais, à l'intérieur il y a un siège, tu vas voir, tu seras super confortable. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais je te jure. Je suis mieux confortable là-dedans, t'inquiète. Ou sinon. Mais... Ah! Non, mais attends, fais gaffe quand même. Bah, mais... attendez. Moi j'ai plus la moto. Quelqu'un monte avec moi, et sinon quelqu'un reste. Ouais, je te laisse y aller. Bon, écoutez. Non, mais sinon, attends, papy. Putain. Bon, il est mieux à se mettre non, dans le coffre. Non, t'es à l'avant, papy. Ouais, ouais. Ça veut plus. Attends, descends un peu, Pablo. Non, Pablo. J'ai oublié mon prénom, pardon. Oui. Ah, faut ouvrir la voiture. Attends, mais pourquoi je me mets au conducteur? Putain, je voulais monter en passager. Ouais, descends. Attends, mais t'y arrives. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Putain. C'est confortable à l'arrière? Ça va. Mais il a l'habitude, c'est la deuxième fois de la journée qu'il fait ça. Prochain arrêt, à droite. Le vent à pou. Voilà, et c'est. Hop là. Voilà, oula, c'est à gauche. C'est pas genre là, là. Ouais, si, c'est le petit machin vert. Là. Attention au poteau. Oh putain. Vous inquiétez pas, je suis conducteur professionnel. Ça se voit. Je vois ça. Ah, mais j'ai pas besoin de manger, les médecins ils m'ont rendu à manger. Moi j'ai besoin de manger. Ah. C'est bon, c'est bon. Ah, si, il est en face de toi. Je te vois pas. Peut-être t'as besoin de lunettes. Pablo Escobar. Non, ça me dit quelque chose. C'est quel muscle pour le téléphone? C'est ton muscle F2. Ah, t'as appris la biologie quand même, oui, voilà. Alors. Attendez, j'essaie de changer la musique. Voilà. Je mettais ma propre playlist de musique, elle s'appelle Libre de droit. Je comprends bien. Qu'est-ce que. Pablo Escobar. Ah ouais, mais c'est un peu excité ce soir. Ah bah c'est ces jeunes délinquants. Ah ouais, je vois ça, je vois ça. Je sais que déjà les jeunes à moto, je m'en éloigne. Hein. J'ai même pas. Comme on dit quand on fait du pain, on le masturbe, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Okay. Masturbateur de pain donc. Oui, c'est ça. Du coup, ton numéro c'est. Attendez. Je vais le prendre aussi. S'il arrive à m'en sortir. 5, 5. Ouais. 0. Ouais. Et la suite? C'est tout. 6232. Ok, parfait. Ça marche. Ah merde, attends, j'ai mis le numéro de téléphone dans le surnom. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez du blanco naturel, je suis là. Du blanco naturel. Bah, dès que t'en as, tu peux nous appeler sinon. Enfin, oui, bah, il faut bien m'assurer. Attends, je vais t'envoyer un message, comme ça t'auras mon numéro. Faut faire des mouvements de gestes comme ça. Attendez. De haut en bas, de haut en bas. Ça ? Ouais, voilà. Il prend bien. Après, là, je vais essayer sur vous comme démonstration, mais... Voilà, t'as mon numéro. Ah ouais, c'est bon. Et bah du coup, nous on va chercher de quoi faire. Bah, faut bon, je pense. La bonne farine. Peut-être passer au commissariat pour leur demander. Ça sera moins cher. Ah, j'avoue. Ah. On va faire ça. Demander leur la recette, mais je sais pas. Je leur donnerai ta recette, peut-être ils seront en mode. Ils vont peut-être vous dire des trucs sur la recette. Ouais, je pense aussi, ouais. Moi j'ai hâte de savoir leur version à eux. Version 2. La version du pain policier, ça avait plein de plomb. Riche en fer. Ah, c'est toi, tu fais toujours les bonnes blagues, hein. Bah non, je suis sérieux. Bon. Bah oui. Tu fais vraiment du pain avec du béton, quoi. Enfin, pas du béton, ça c'est sa recette, c'est la vraie. Je sais pas, bon. Moi. On va peut-être y aller du coup. après je suis en train de me dire, ils sont peut-être occupés, les flics. Vous voulez que je vous dépose quelque part?
Ouais, je sais pas, ouais. T'as une voiture? Bah, à ton avis, on est venu avec quoi? Avec un vélo? Oui, non, mais enfin, je veux dire une vraie voiture, quoi, parce que bon, là. Tant que c'est pas. Ouais, tant que c'est pas une limousine, je suis un petit peu dessus. Hein, t'es pas vexant, un petit peu. Escobar, en fait. Je suis vexant, excusez-moi. Je veux bien que tu m'ouvres la porte, s'il te plaît. C'est bon, non? Oula. Ça va, attention. Essayez de monter, voir si ça marche. Il se passe des phases. J'essaye de monter à l'arrière, mais ça veut pas. Mais bon, moi j'ai réussi. Voilà. Je crois que j'ai des problèmes. Tu peux descendre un peu, Pablo? On va se décaler sinon, comme ça, ça sera. Oula, oula, vous allez bien? Oula. Ouais, je vais bien, je vais bien. J'espère que vous n'êtes pas cassé. Attends, Pablo, descends un coup, s'il te plaît.